Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La publication aujourd'hui de la nouvelle exhortation apostolique du pape François, Christus Vivit, adressée aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. L'ouverture ce matin de l'Assemblée plénière de printemps des évêques à Lourdes par le discours de Monseigneur Pontier. Et puis en France, 566 personnes sans domicile fixe sont mortes dans la rue en 2018. Une cérémonie pour leur rendre hommage a eu lieu ce matin à Paris. Demain, mercredi 3 avril, ce sera les 25 ans de la mort du professeur Jérôme Lejeune, connu pour avoir découvert la trisomie 21, pour son engagement pour la vie, mais peut-être moins sur d'autres aspects. Alors quel est son héritage aujourd'hui? Comment sa vie au service de la science et de la foi peut-elle nous éclairer? Aude Dugas, auteur de la biographie qui sort demain, Jérôme Lejeune, la liberté du savant chez Arthège, mais aussi postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune, est l'invité de notre dossier. Et on débute cette édition avec la publication aujourd'hui de l'exhortation apostolique dédiée aux jeunes du pape François, Christus Vivit. Il vit et il te veut vivant. Ainsi commence le document de 163 pages, 9 chapitres, qui a été rédigé dans le sillage du synode d'octobre dernier sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Je vous le rappelle, il a été signé et offert à la Vierge Marie le 25 mars à Lorette. Le pape propose aux jeunes du monde un parcours de foi et d'espérance avec la figure de Jésus comme modèle de jeunesse pour une vie libre, enthousiaste et créative. Le pape François confie aussi l'Église aux jeunes pour qu'elle ne tombe pas dans la corruption, qu'elle ne s'installe pas, qu'elle soit plus pauvre et davantage témoin. Pour Mgr Perceroux, président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes en France. C'est le chapitre 4 qui est le cœur de cette exhortation apostolique et il nous dit pourquoi. Le pape commence en leur disant au début du chapitre 4, j'ai une grande déclaration à vous faire, j'ai une très grande déclaration à vous faire. Vous êtes aimé de Dieu, créé par amour, et vous êtes pour moi porteur d'une grâce toute particulière et je vous aime chacun par votre nom. Voilà. Deuxièmement, je me suis fait l'un de vous, quoi. Je suis venu marcher avec toi en Jésus-Christ. Le Christ vit, il te donne le salut et il agit par son Esprit Saint. C'est-à-dire, les jeunes sont invités à contempler cet amour trinitaire, c'est-à-dire cet amour de don dans l'Esprit, et sont invités à entrer dans l'amour et à se découvrir collaborateurs de Dieu dans son projet de salut pour l'humanité et collaborateurs de Dieu au cœur même de cette Église qui est chargée d'annoncer son Évangile. Et à mon avis, c'est vraiment le cœur de l'exhortation et nous avons derrière décliné les conséquences de cette amitié. Si tu deviens ami avec le Christ, ça va avoir des conséquences pour ta vie et il va nous décliner quelques conséquences. Et je crois qu'à partir de là, on peut, avec les jeunes, sans doute réfléchir à un renouvellement de notre pastoral. L'intégralité de l'intervention de Mgr Perceroux à revoir sur notre site internet. Et toujours avec le pape François, vous avez pu suivre en direct ce week-end son voyage au Maroc sous le signe du dialogue et de la fraternité pour le monde. Une visite marquée par la rencontre dimanche avec une partie de la petite communauté d'à peine 30 000 catholiques du royaume marocain. Lors de son homélie dimanche, le pape François est venu conforter les 8 000 fidèles présents à vivre la fraternité, à être témoins de la miséricorde et les a encouragés à être le levain des béatitudes dans la pâte. Le matin même, lors de sa rencontre avec les religieux et religieuses du Maroc et les représentants des autres églises chrétiennes à Rabat, le pape François a également mis en garde contre le prosélytisme et l'une des images émouvantes a été la rencontre entre le pape et le frère Jean-Pierre, dernier survivant des moines de Tibirine. La veille, avec le roi Mohamed VI, le Saint-Père a plaidé vigoureusement pour l'union des croyants contre le fanatisme, avant de signer un appel conjoint pour que Jérusalem reste une ville ouverte aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Un voyage placé sous le signe de l'espérance, comme a rappelé le pape lors de la conférence de presse dans l'avion qui le ramenait à Rome. Io dirò che adesso sono i fiori, i frutti verranno dopo, no? Ma i fiori sono promettenti, eh? E sono contento perché in questi due viaggi
ho potuto parlare di questo che tocca a me nel cuore tanto, che la pace, l'unità, la fraternità. Tutti fratelli con un rispetto tanto grande. E questo è un bel fiore di coesistenza, un bel fiore che è promettente di dare frutti, no? Non dobbiamo mollare. È vero che ci saranno ancora difficoltà, ci saranno tante difficoltà perché purtroppo ci sono gruppi intransigenti. La conférence de presse du pape François et les temps forts de ce voyage apostolique à retrouver là aussi sur notre site internet. Et en France, direction Lourdes, où les évêques sont réunis depuis ce matin en assemblée plénière de printemps. Elle se tient jusqu'à vendredi dans une ambiance toute particulière du fait de la crise que traverse l'Église. C'était le dernier discours d'ouverture d'une assemblée plénière pour Mgr Pontier comme président de la CEF. Il arrive au terme de son deuxième mandat. Avec gravité et sans faux-semblant, Mgr Pontier a clairement nommé et énuméré les difficultés qui se présentent à l'Église et à la société. Abus sexuels et malaise dans l'Église, crise des gilets jaunes, bioéthique ou encore l'avenir de l'Europe. Mais après ce constat difficile, à quelques jours de Pâques, Mgr Pontier a conclu son discours en invitant à l'espérance plus forte que tout. Il a aussi encouragé les prêtres en les remerciant pour leur fidélité dans le ministère. Dans 10 jours, nous nous retrouverons avec les prêtres de nos presbytériums pour un temps de prière, puis pour la messe chrismale, pour fêter le Jeudi Saint. Ces fêtes pascales vont nous tourner vers le Christ, faisant don de sa vie pour le salut du monde, traversant les portes de la mort pour les ouvrir sur la vie éternelle. Sa vie donnée est source de salut et de vie éternelle. Notre foi chrétienne devient espérance en cette communion avec ce Dieu, source de toute vie et de tout amour. L'intégralité de son discours à revoir sur notre site ktotv.com. Les travaux des évêques vont se poursuivre avec au programme de demain la question de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus dans notre quotidien. La crise des abus sera quant à elle abordée jeudi. Guy de Fort-de-France, 58 ans. Maël de Rennes, 31 ans. Norbert de Mâcon, 40 ans. Ils font partie des 566 personnes sans domicile fixe mortes dans la rue en 2018, comme l'a révélé aujourd'hui le collectif Les Morts de la Rue, un nombre en augmentation de 13% par rapport à 2016. On peut aussi noter que la moyenne d'âge des personnes qui sont décédées dans la rue est de 48 ans, alors que l'espérance de vie moyenne en France est de 82 ans. Alors pour alerter sur cette triste réalité et pour ne pas oublier les morts dans la rue, une cérémonie a eu lieu à Paris ce matin. Notre journaliste Antoine Coty était sur place. Ils sont morts tout au long de l'année, et pas que l'hiver ou l'été. Elles et ils avaient vécu en moyenne 10 ans à la rue. Nous sommes tous concernés. Il s'appelait Patrick. Isabelle. Pierre. Ils font partie des personnes sans domicile fixe mortes dans la rue en France en 2018. Ce mardi midi à Paris, une cérémonie d'hommage leur était dédiée. Francis, 66 ans, le 25 janvier à Paris. Nikita, 41 ans, en août à Strasbourg. Un homme, 15 ans, le 20 juin en Île-de-France. Chidiki, 27 ans, le 10 janvier à Paris. Cet hommage est une façon d'honorer la mémoire, mais aussi d'interpeller sur la situation autour de la mort de la rue et donc autour de la vie à la rue. Et là, c'est une cohésion sociale et sociétale qui est importante et une prise de conscience de nous tous, ça nous concerne tous. Pendant 20 ans, Sophie a connu la pauvreté, l'exclusion et l'absence de logement. Elle est aujourd'hui engagée au service du collectif des morts de la rue. Qu'est-ce qu'on fait ? On reçoit les appels pour apprendre le nom des gens qui sont décédés à la rue.
et on essaye d'organiser les obsèques pour aller à Thiers. Le collectif Les Morts de la Rue a recensé 566 SDF morts en France en 2018. Mais ils sont dans la réalité bien plus, avec environ 3000 décès estimés. Cet hommage était pour toutes ces personnes invisibles qui terminent leur vie à nos pieds. Toujours en France, Pascale Morinière a été élue samedi présidente des associations familiales catholiques. Elle succède à Jean-Marie Andrès, qui a été président des AFC pendant 5 ans. Pascale Morinière est médecin, mariée depuis 23 ans et mère de 3 enfants. Le week-end dernier, les paroisses du monde entier étaient invitées à vivre 24 heures pour le Seigneur, une initiative lancée il y a 6 ans par le pape François, avec cette proposition de laisser une église ouverte dans le diocèse pour 24 heures d'adoration et de confession. C'est ce qu'ont vécu vendredi et samedi des fidèles du diocèse de Soissons. Reportage avec Inès Houlier dans la paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée, dans la commune de Laon. Les cloches de la cathédrale de Laon annoncent le début des 24 heures pour le Seigneur. À l'approche de Pâques, 24 heures en paroisse de recueillement, de prière et de réconciliation. Nous avons ces 24 heures comme un temps fort pour nous recentrer vers le Seigneur. On ne peut être missionnaire que si on est disciple, et disciple du Christ. Si on prend le temps de le rencontrer, de le fréquenter. En des temps compliqués, ces heures de recueillement permettent de trouver une vraie paix et de confier en communauté les attentions de chacun. Alors, si j'ai une intention particulière, ce serait pour toutes les personnes qui ne sont pas là ce soir. Surtout celles qui sont pas loin. Et il suffit juste de franchir le pas de la porte, donc ce serait pour eux. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'Église, elle est dans une période qui est difficile. Le tout, c'est pas de nier ce qui se passe, mais c'est surtout de dire que l'Église, ça ne se résume pas à ça. Et je pense que c'est le meilleur des témoignages que de passer 24 heures à prier devant le Saint-Sacrement. C'est déjà la troisième année que la cathédrale de Laon accueille les 24 heures pour le Seigneur. Rien d'étonnant à ce qu'un si bel écrin encourage encore et toujours à tant de ferveur. En Belgique maintenant, dimanche, la Marche pour la vie a rassemblé 2000 personnes dans les rues de Bruxelles, venues pour défendre le respect de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Cette année, l'accent a été mis sur l'accueil de la vulnérabilité pour la remettre en avant, pour qu'elle nous ouvre aux autres et nous appelle à la solidarité, a précisé Constance Dubus, porte-parole de la Marche pour la vie. Et puis en Suisse, 1300 jeunes ont dansé pour Dieu samedi dernier. La troisième édition du festival Open Sky s'est tenue dans la commune de Fully. Un temps festif pour mixer fun et foi, né de la volonté de jeunes suisses en 2015. Depuis, il rassemble toujours plus de monde. Des temps de louange, une messe, mais aussi un spectacle et des concerts ont rythmé la soirée. Cette année, le groupe de pop louange Glorious a assuré l'animation de la liturgie avant un concert festif. Et on poursuit avec la chronique du Monde et Jasmin Lemieux-Lefeuvre. Au Canada, c'est la laïcité qui est au cœur du débat politique. Alors depuis la mi-carême, jeudi dernier, on ne parle que de laïcité au Québec. En fait, ça a été la présentation officielle du projet de loi sur la laïcité qui était attendue. Donc, on le sait, une des mesures phares, c'est l'interdiction des signes religieux chez les employés de l'État qui exercent l'autorité. Et ça inclut, pour le gouvernement, les enseignants des écoles publiques primaires et secondaires. Et signes religieux, visibles ou invisibles. Donc, que ce soit la petite croix sur le chandail ou sous la chemise, que l'on porte quelque chose dans ses poches, évidemment, c'est tous les signes religieux. Bien sûr, le ministre a dit qu'il n'y aurait pas de fouille à nu. C'est le principe qui est important. Mais ça amène évidemment toutes sortes de questions parce que ça va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pour ça que le gouvernement caquiste au pouvoir va utiliser la clause dérogatoire, qui est un outil de la Constitution, pour pouvoir aller à l'encontre de la Constitution, de la Charte canadienne des droits et libertés à l'occasion, dans des cas de nécessité. Alors, est-ce que dans une situation où il n'y a eu aucune plainte au sujet de l'impartialité ou de prosélytisme qui aurait été commis par des employés de l'État qui portent des signes religieux,
ça pose question. Évidemment aussi, il y a eu cette motion qui invite le gouvernement, après l'adoption de ce projet de loi sur la laïcité, que le gouvernement espère au mois de juin prochain, du retrait du crucifix de l'Assemblée nationale. Alors, unanimité, 103 parlementaires qui ont voté pour, mais il y a 125 parlementaires à l'Assemblée nationale, donc plusieurs se sont absentés. Il y a des pétitions présentement, mais en même temps, il y a une volonté du gouvernement de passer, de tourner la page sur la question du crucifix. On va continuer d'en parler au cours des prochaines semaines. Alors, à bientôt. Merci Jasmin, à bientôt. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Demain, mercredi 3 avril, nous fêterons les 25 ans de la mort du professeur Jérôme Lejeune. Dans une société où les questions éthiques sont au cœur des débats, où la place des personnes en situation de handicap interroge, comment le travail, la vie, la vision du professeur Jérôme Lejeune peuvent nous aider aujourd'hui? Aude Dugas, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de la biographie de référence consacrée à Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune, La liberté du savant, aux éditions Arthège, va être publié demain. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous entendre sur une phrase prononcée ce matin par Monseigneur Pontier sur la bioéthique dans son discours d'ouverture à l'Assemblée plénière. Il dit « Penser la bioéthique, c'est refuser que l'eugénisme libéral imprègne insidieusement nos mentalités. » Est-ce que là, c'était aussi une crainte partagée par le professeur Jérôme Lejeune? Est-ce qu'il aurait pu dire cette phrase? Je pense que Jérôme Lejeune était vraiment un témoin de la vie prophétique. Et je pense qu'il y a 50 ans, en 1969, très exactement, il a prononcé un très grand discours à San Francisco dénonçant justement les risques de l'eugénisme si la génétique était utilisée pour dépister les enfants différents plutôt que d'être mise au service de ses enfants pour pouvoir les guérir. Donc non seulement il voyait un risque éloigné, mais pour lui c'était tout à fait imminent. Et quand je dis le mot prophétique, je le pense vraiment. Je pense qu'il a vu avant tout le monde ce danger. Du coup, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Beaucoup de gens, à l'époque, ont pu penser qu'il était peut-être exagéré. Et ce qui est très touchant, c'est de voir qu'après ce fameux discours San Francisco, où, qui lui a valu après l'ostracisme de ses pairs, parce qu'on lui a reproché cette franchise de ton, ce qui est très émouvant, c'est que des années plus tard, et 30 ans, 40 ans plus tard, certains généticiens qui étaient là en 69, qui l'avaient entendu, qui lui avaient peut-être tourné le dos ce jour-là, en tout cas qu'il n'avait pas applaudi, parce que personne ne l'avait applaudi ce jour-là, personne ne lui avait serré la main à la fin de ce discours, où il recevait le Allen Memorial Award. Donc c'est le plus grand prix de génétique au monde. Donc c'est, imaginez un peu, c'est comme s'il recevait le prix Nobel et que devant le parterre, là, des plus grands spécialistes au monde, il avait ce discours très ferme sur le rôle de la médecine. Et donc parmi ces médecins qui étaient là, j'en connais au moins deux, qui 30 ans ou 40 ans plus tard ont témoigné, et dont un qui s'appelle Charles Epstein, qui a reçu lui-même ce prix, et qui a dit « En fait, à l'époque, j'ai cru peut-être que Jérôme Lejeune allait trop loin, et avec le recul, je m'aperçois qu'il avait raison. » Toute cette franchise, au fond, elle naît de l'amour qu'il donnait à ses patients. C'est un peu ça, au fond, qu'il faut comprendre chez Jérôme Lejeune. C'est exactement ça. Je pense que toute l'œuvre de Jérôme Lejeune, toute sa mission ne peut se comprendre qu'à travers cet amour inconditionnel qu'il avait pour ses patients. On a fêté il y a peu de temps l'année de la miséricorde et je pense que c'est vraiment ce qui qualifie Jérôme Lejeune. Il a fait œuvre de miséricorde, la miséricorde donc soigner les patients, les soigner dans leur corps, dans les personnes avec un handicap mental mais qui ont aussi des problèmes physiques, donc il les a soignés dans leur corps, il a essayé de les soigner dans leur intelligence. Et puis il y a œuvre de miséricorde aussi qui est de soigner des intelligences, quand ce sont des intelligences qui ne cherchent pas la vérité. Donc là, ce ne sont pas les personnes handicapées mentales, ce sont les personnes handicapées de la raison, peut-être. Donc quand on ne cherche pas la vérité. Et il avait vraiment ce désir de... C'était un amoureux de la vérité. Il était aimanté par la vérité. Et donc, il avait vraiment le désir de l'annoncer. Et quand on a essayé de l'entraîner, d'entraîner les médecins à pratiquer donc une médecine qui, pour lui, était déshonorante, puisqu'elle n'était pas au service des patients... Mais là, il a dit non. Il a dit non, c'est pas possible. Moi, comme médecin, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, qui est de soigner mon patient. Et comme chrétien, je suis fidèle à mon baptême. Et donc, mon baptême aussi me commande d'aimer mon frère chrétien. Et donc là, si vous me proposez l'avortement, je dis non. J'ai deux raisons de dire non. Parce que je suis médecin, parce que je suis chrétien. Et quand on essaie d'embarquer en disant, mais vous dites ça parce que vous êtes chrétien,
Parfois, je dis ça aussi, d'abord parce que je suis médecin. Voilà. Et tous les médecins ont prêté le serment d'Hippocrate et donc ont promis de servir les patients. Et si la médecine commence à s'occuper que des gens en bonne santé, alors il faut vraiment changer de métier. Voilà. Parce que c'était une grande intelligence, au fond, qui s'est mise au service de ceux qui en avaient un petit peu moins, en tout cas, ce qu'on peut voir. Vous avez tout compris. Je crois que là, vous résumez vraiment Jérôme Lejeune. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans ce travail, ces 10 années passées. 10 années de travail, il faut le souligner. Ouais. À étudier sa vie. Et donc, c'est ces milliers de documents et tous ces témoignages que j'ai reçus. Voilà, c'est de voir cette immense intelligence. Je pense qu'on peut parler vraiment de génie. C'est-à-dire qu'il avait un intérêt pour tout. Il aurait pu tout faire. Tout faire. Et vraiment, les personnes qu'on travaillait avec lui à l'époque, ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis beaucoup plus jeune, je tiens à le préciser. Non, mais il disait qu'il aurait pu être un grand mathématicien, un grand physicien. Il s'intéressait aussi au mouvement des astres. Il a fait beaucoup de travaux sur le cancer. Dès l'âge de 37 ans, il a été nommé expert sur les radiations atomiques à l'OMS, donc bien avant la découverte, à l'ONU, pardon, bien avant la découverte de la trisomie 21. Donc c'était un esprit assez génial. Et en fait, quand il a rencontré ses enfants, qu'on appelait alors mongoliens, il a vraiment une espèce de coup de foudre pour eux, et il a décidé de mettre son intelligence géniale au service de ses enfants qui étaient blessés dans leur intelligence. Et pourtant, la qualité de ses travaux faisait qu'il a été invité dans le monde entier. Là. Université, la Columbia University aux États-Unis lui a proposé des ponts d'or pour venir travailler là-bas. L'OMS lui a proposé aussi un poste à Genève. Donc il avait l'embarras du choix, vraiment. Et puis, comme il s'intéressait à beaucoup de choses, il était très tenté par beaucoup de choses. Il est toujours revenu. Voilà, à quoi il s'est intéressé, justement, qu'on pourrait un petit peu moins connaître Oui, parce que souvent, voilà, on dit Jérôme Lejeune, c'est la trisomie 21. Alors déjà, ça n'est pas seulement la trisomie 21, c'est toutes les maladies chromosomiques. Il a révolutionné la génétique humaine, la génétique fondamentale, en faisant cette découverte, et puis les autres qui se sont succédés. Mais bien au-delà de ça, il s'est intéressé par exemple au Saint-Cyr de Turin, il a travaillé sur le Saint-Cyr de Turin. Comme généticien, il s'est bien sûr intéressé à la création de l'homme, à l'apparition de l'homme, d'Adam et Ève. Alors évidemment, comme chrétien, il lisait la Bible, il la méditait beaucoup, et comme généticien, il la lisait avec un regard de scientifique. Et ça, c'est une donnée importante pour comprendre Jérôme Lejeune. Ce n'est pas d'un côté un chrétien, de l'autre le scientifique. C'était vraiment le scientifique chrétien. Il n'a jamais douté dans ses travaux, finalement. Sur la foi ? Sur la foi. Est-ce qu'en cherchant, ça l'a rapproché ? La foi ? Vraiment, il n'a jamais douté, enfin, en tout cas, à ma connaissance. Hein. Non, je crois que c'était une foi évidente pour lui. Et ce qui est très beau, c'est que sa science faisait progresser sa foi, et sa foi faisait progresser sa science. Voilà. Non seulement il a montré qu'il n'y avait aucune opposition entre la foi et la science, mais au contraire, il montrait que plus on connaît, plus on arrive à comprendre le monde, la façon dont il fonctionne, qui est la création, et bien plus ça nous élève vers le créateur. Il avait un regard vraiment amoureux sur la création, donc il admirait, il essayait de comprendre avec son esprit scientifique, et tout ce qu'il observait le faisait grandir son admiration pour le créateur. Et puis tout ce qu'il savait par la révélation, par la foi, et bien lui l'aidait aussi à ouvrir des pistes de recherche. Voilà. Il disait en fait, les chercheurs qui prennent le parti de dire Dieu n'existe pas, et bien ils vont perdre du temps, parce qu'en fait, la création et le fait du créateur, et donc aller dans des pistes de transgression, c'est aller dans l'impasse. Donc il était très révolutionnaire dans sa façon de montrer que la foi et la science vont de pair, ce qui lui a valu aussi quelques inimitiés, il ne faut pas le cacher. Alors ce qui est aussi frappant, c'est que c'est un personnage de roman. Il a côtoyé les Kennedy, Jean-Paul II, il allait un petit peu partout dans le monde, et pour autant, il est resté finalement une figure aujourd'hui de sainteté, puisque on le sait assez peu, mais il y a un procès en canonisation qui est ouvert. Oui, oui, sa vie vraiment est comme un roman. La biographie, d'ailleurs, se lit comme un roman, parce qu'on le voit. Alors, il est nommé par Jean-Paul II, effectivement. Il est envoyé auprès de Brejnev pour l'alerter sur les risques d'une guerre atomique. On est en pleine guerre froide. Il est envoyé auprès de Kennedy, bien sûr, sur le prix Kennedy. Donc, on le retrouve là, à la Maison-Blanche, à Washington. On le retrouve près de Mère Teresa.
donc il est tout à fait très marqué, touché par la beauté de ce visage, vous voyez, tout ridé, donc, mais qui est vraiment les rides de la charité en acte. On le retrouve près de Jean-Paul II, bien sûr, c'est cette amitié qui est assez connue. Lui n'osait pas dire qu'il était ami de Jean-Paul II, mais Jean-Paul II, à la mort de Jérôme, l'a appelé son frère Jérôme. Et puis on le retrouve auprès du roi Baudouin, écrivant à la reine d'Angleterre pour essayer de sauver les enfants à naître et les embryons. Et puis tous ces patients, et j'allais dire, il faut commencer par ça, parce qu'on l'a vu auprès des plus grands de ce monde, mais la seule chose qui comptait pour lui, c'était ceux qui étaient vraiment les plus fragiles. Et donc tous ces patients, 9000 patients qui venaient du monde entier pour être accueillis par lui en consultation à l'hôpital Necker à Paris. Merci beaucoup, Aude Duguay. Il nous reste quelques secondes. Peut-être un dernier mot sur l'héritage qu'il a laissé aujourd'hui à la Fondation Jérôme Lejeune, l'héritage, l'état d'esprit. Un héritage magnifique, vraiment, de service des patients avec un handicap mental. Et puis, voilà, vraiment la joie de cette intelligence et tournée vers le vrai, vers le bien. Et puis, cette vie lumineuse qui donne beaucoup de joie quand on la lit. Merci beaucoup, Aude Duguay, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle la sortie de votre livre demain, mercredi 3 avril, Jérôme Lejeune, La liberté du savant, aux éditions Artege. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission à revoir sur notre site internet www.kto.tv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.